Bien le bonjour. Je vous en prie, prenez votre temps. Vous avez vraiment le sens des affaires. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me faire signe. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides. J'ai officiellement tout ce qu'il me faut. Très bien, parfait. Tu as trouvé ce que tu cherchais pour ta sœur ? Oui. Bon, je suppose qu'on est libre comme l'air maintenant. Allons voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. On finira par la voir à l'issue. Confringo. Qu'est-ce que c'était? Je lui rends la monnaie de sa pièce. Oh, bien joué. Eh oui, trop pas lourd. Il faiblit. Plus que quelques coups. Par Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin, est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu aider. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Oh, bonjour. Accordez-moi un instant. Je vais aller voir ce qu'il veut. Réparons. C'est nous qui n'ont pas fait trop de dégâts. Une chose de moins à régler.
Réparo. Voilà. Réparo. Revelio. Revelio. Monsieur Hill chantait justement tes louanges. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Revelio. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Content d'avoir pu aider. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Guéchiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. C'est très gentil à vous, Monsieur Hill, mais je ne peux pas accepter de tenue gratuite. Allons, allons, j'insiste. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Je crois deviner que vous avez l'œil pour... Je pense qu'on mérite bien une ou deux bières au beurre, non? Ça m'aiderait à oublier qu'un troll a failli m'écrabouiller. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Parfait. Les trois balais sont par là. Je vends bien d'autres objets utiles au combat, si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique, quand vous le voudrez.
Réveillez-vous. Si ce n'est pas la pagaille à l'intérieur, tu pourrais rencontrer Sirona, la propriétaire. C'est une personne à connaître. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Bréolard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Allons-y. Est-ce qu'ils nous ont vus? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood? Ranrock est de mèche avec Rockwood? Le gobelin de la Gazette du Sorcier? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on se rende aux Trois Balais. C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance, alors. Bon, qu'est-ce que je... Oh ! Voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide. Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien, quand même. Des trolls à Bréolard, ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls brutes auxquels on a affaire actuellement... Quand on parle du loup... C'est Lord Gok que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui? Viens, Théophilus. Les Trois Balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls? Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter.
mais je préfère garder ça pour plus tard. Et sur ce, je pense que nous devrions retourner au château. Je suis ravi qu'on ait vu Syrona. Je t'avais dit qu'elle était gentille. C'est vrai. Elle ne semblait pas du tout intimidée par Rockwood et Arlo. Tu devras m'expliquer pourquoi Victor Rockwood t'en veut. On en reparlera. Pour l'instant, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley sera bientôt au courant de l'attaque du troll, si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas arriver en retard et risquer de me retrouver encore en retenue. Revelio.
heureuse. Enfin, sauf quand il est ici. Je suis ravie de me faire ton carré en chasse. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Revelio. 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 Revelio.
Revelio. Revelio. Revelio. Revelio. Revelio. Revelio.
Revelio. Professeur, content de vous voir. Moi de même, ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Olar ? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrok s'est servi sur le dragon. Mais comment ? Et les trolls ? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrok parler avec Victor Rockwood. Ranrok était après Olar ? Avec Rockwood ? C'était une distraction envoyée par Ranrok pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi si Syrona et les clients des Trois Baleines n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. En parlant du coffre, pensez-vous que Ranrok collabore avec des gobelins de Gringotts ? J'en doute. Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègre. Non, considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier, jamais ces gobelins ne suivront Ranrok. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, pour être exact. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va ? Votre enthousiasme vous honore, et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Hecat. Mais monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre. Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Je vais prévenir le professeur Hecat de votre venue. Revelio.
Revelio. Revelio. Revelio. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos.
Revelio. Revelio. Revelio.
Hey, tu peux m'aider ? Bonjour, tu voulais me parler ? Oui, tout à fait. Je me disais que tu aurais peut-être envie de te joindre à moi pour une aventure. Il s'agit de suivre une carte au trésor, pour être exact. Ça devrait te changer des trolls, j'imagine. J'ai demandé à Poppy si elle était intéressée, mais je n'ai pas réussi à l'arracher à son boursouf. J'ai trouvé deux cartes, et les deux mènent à des endroits situés près de Poudlard. Tu voudrais bien y jeter un œil ? Suivre une carte au trésor de Poudlard ? J'en suis. Fantastique ! Poudlard me fascine. Tu peux garder ce qui se cache au bout de la carte. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir où elle mène. Et où me conseilles-tu de commencer ? Après un examen rapide de la carte, je te conseille de commencer près de la salle du professeur Hecat. Très bien. J'y jetterai un coup d'œil quand j'aurai le temps. Très bien. Si tu trouves quoi que ce soit, reviens me voir ici. J'ai entendu dire que tu protégeais Préolard des trolls. Ne va pas non plus risquer ta peau. Rébellion. Squelette de rhinocéros. Je suis sur la bonne voie. Aussi bien être entouré de... Revelio. Cette jeune femme est devenue professeure. C'est un miracle. Voilà la fontaine. Je ne suis plus très loin. Revelio. Les clés du Dédale sont de retour. Elles sont incroyables, n'est-ce pas ? Rébellion. Cet escalier me semble prometteur. Le portrait de la carte.
Mais où peut bien se cacher le trésor ? Action ! Ah ah ! Il y avait un passage caché derrière le portrait. Je me demande ce qu'ont donné les recherches d'Arthur. Revelio. 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 Action. Revelio. Action.
Revelio. Alors, tu as fait des progrès avec la... Bonjour Arthur. Je voulais te dire que ma carte menait en fait à un passage caché dans un portrait. Oh, très ingénieux! La mienne m'a mené au hangar à bateau. J'ai trouvé le trésor juste avant que le directeur n'arrive. Il m'a chassé de là, mais pas avant que je ne m'enrichisse de quelques galions. Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé ce qui semble être un authentique uniforme d'historien. Oh, quelle chance! Nous avons tous les deux eu de la chance! Je suis content de t'avoir demandé de l'aide. Bien, passons au prochain mystère de Poudlard. Je me demande si on devrait aller faire un tour dans le bureau de l'univers. Thank you.
Du Dédale sont de retour. Elles sont incroyables, n'est-ce pas? Tu es sûre que tout va bien? Oui, désolée, je suis juste... Je m'appelle Nelly, au fait. Je suis juste vraiment contente que les clés du Dédale soient de retour. Les clés du quoi? Et les clés du Dédale. Tu les as sûrement déjà vues voler dans les parages. À en croire la rumeur, une ancienne directrice, le professeur Moll, les a conjurées pour protéger le contenu de certaines armoires verrouillées, il y a plusieurs années. Le professeur Black ne daigne pas désenchanter les clés, et elles apparaissent certaines années. Tu devrais essayer d'en attraper une? Et pourquoi je ferais ça? Chaque clé te mènera à une armoire verrouillée quelque part dans le château. Si tu réussis à insérer la clé dans la serrure de l'armoire, ce qui n'est pas facile, tu y trouveras peut-être une récompense. Pourquoi le professeur Moll aurait-elle invoqué des clés volantes? Apparemment, l'objectif aurait été d'empêcher Peeves d'accéder à certaines choses. Mais ce n'est peut-être pas vrai. C'est un esprit frappeur. Je pensais qu'il pouvait aller presque partout. J'imagine que tu vas essayer de relever le défi, toi aussi. Oh, j'ai essayé et je n'arrive pas à aller au-delà des premières armoires. Tu t'en sortiras peut-être mieux que moi. J'aimerais savoir ce que contiennent ces armoires. J'irai tenter ma chance. J'espère. D'ailleurs, j'ai entendu l'une des clés dans la tour d'astronomie. Tu devrais tendre l'oreille pour essayer de les entendre. J'espère au moins que tu suivras quelques clés. Si tu réussis à ouvrir une armoire, j'aimerais bien savoir ce qu'elle contient. Une clé du Dédale. Je me demande où elle va me mener. Voilà le meuble. Où dois-je mettre la clé? Fantastique. Vieille pièce. Nelly sait peut-être de quoi il s'agit.
D'après Weasley, il n'y a pas de meilleur endroit pour ça. Quand ils se mettent à poser des questions avec leur air sordide. Tu as réussi à suivre l'une des clés du Dédale ? Bonjour Nelly. J'ai réussi à placer une clé du Dédale dans sa serrure. Superbe ! Qu'as-tu trouvé dans l'armoire ? Une sorte de jeton assez étrange. On dirait une sorte de jeton de maison. Il sert sûrement à ouvrir les coffres de maison. C'est comme ça que je les appelle. J'en ai vu un dans la salle commune des Griffons d'Or. Et j'ai entendu dire qu'il y en avait aussi dans les autres salles communes. Ouvre l'œil. J'espère que tu vas continuer. La récompense de tels efforts doit être formidable. Je dois continuer et trouver le coffre de la maison Serre d'Aigle. Ce doit être le coffre de ma maison. Je vais devoir trouver d'autres jetons si je veux l'ouvrir. On dirait qu'il en faut un certain nombre.